construit pendant l'époque coloniale. Ce système de transport était viré à l'exportation de produits extraits du sous-sol congolais. Mais à ce jour, sous votre impulsion, nous sommes plus que déterminés à faire en sorte que les personnes et les biens dans notre territoire national puissent évoluer en toute fluidité et en toute sécurité. Nous avons donc, sous votre impulsion et l'encadrement de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le secteur des transports, conçu un plan stratégique de désenclavement de notre territoire. Mais aujourd'hui, nous sommes honorés de commencer ou d'ouvrir un pan de ce plan stratégique dans le secteur aérien. En effet, comme vous le savez, notre pays a 26 provinces, du haut de ses 2 345 000 km². Les voies de surface posent encore problème et nous demanderons beaucoup d'investissements. Mais la voie aérienne constitue aujourd'hui une opportunité pour que nous amorcions le désenclavement effectif de notre territoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra que, à l'issue de ma visite à l'aéroport de Ndolo, j'avais fait rapport de l'état de délabrement très avancé de la piste de cet aéroport. Il vous souvient également que cet aéroport a été construit depuis 1924. Et depuis lors, il n'avait jamais connu des travaux de réhabilitation et modernisation conséquents. Aujourd'hui, suivant le programme du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne l'intérêt majeur accordé à la réhabilitation et modernisation des infrastructures, aujourd'hui, disais-je, nous sommes dans l'amorce de l'exécution de ce programme en inaugurant la piste de l'aéroport de Ndolo. L'aéroport de Ndolo, tout le monde le sait, est un aéroport très stratégique pour la ville-province de Kinshasa. Ainsi donc, aujourd'hui, comme il a aussi été indiqué, nous amorçons un autre pan important de votre vision, qui consiste dans le secteur aérien à tout mettre en œuvre pour que les infrastructures aéroportuaires puissent être alignées aux normes internationales, pour que l'exploitation aérienne en République démocratique du Congo soit faite suivant les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, afin que nous sortions de cette fameuse liste noire dans laquelle nous ployons depuis des décennies. C'est aussi un défi majeur à relever en ce qui concerne l'économie de notre pays. Nous avons, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un portefeuille de droits de trafic fort de 52 accords aériens. Donc nous sommes en relation avec 52 États et nous sommes en droit de pouvoir, par le principe de réciprocité, exploiter aussi des fréquences vers ces pays autant de fois que ces pays exploitent chez nous. Mais nous devons nous doter des infrastructures conséquentes. Et je me rappelle en ce moment précis d'une dernière orientation que vous veniez de donner à son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, ministre de Finances et à moi-même, pour que nous puissions réfléchir comment amorcer les travaux même sur fonds propres du gouvernement de la République. À ce jour, avec la collaboration des exploitants aériens, nous avons déjà sélectionné 15 aéroports le plus stratégique et le plus viable dont le trafic sera très porteur pour amorcer cette vision qui émane de votre haute autorité. Aujourd'hui donc, à l'occasion de l'inauguration de cette piste de l'aéroport de Ndolo, nous allons faire une triple occasion. L'inauguration de la piste, la pose de la première pierre pour la modernisation de l'aérogare de cet aéroport stratégique de Ndolo et aussi le lancement effectif de ce programme si ambitieux que vous avez très bien daigné accepter de nous confier. Je ne vais pas être long, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents, permettez, Excellence, que vous donniez le coup d'envoi de cet
cette exploitation qui, en fait, sera un coup d'envoi pour tout le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement dans le système multimodal de notre système de transport. Cela s'entend avec le coup d'envoi aujourd'hui dans le secteur aérien. Nous nous apprêtons pour donner le même coup d'envoi dans le secteur ferroviaire, le secteur routier, le secteur lacustre, fluvial et maritime, et aussi réhabiliter nos corridors, nos différents corridors de transport et voies de communication. Que le Seigneur bénisse notre pays, qu'il vous donne davantage de force et de sagesse pour mener à bon port cette vision que vous caressez au sommet de l'État, à savoir construire un État fort, prospère et solidaire au cœur de l'Afrique. Je l'ai toujours rappelé, la République démocratique du Congo n'a pas la vocation de faire de déstabiliser d'autres États. À l'image de ce revolver de France Fanon, dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, sous votre impulsion, nous voudrions utiliser cette gâchette pour lancer l'économie de l'Afrique, être la locomotive du développement de l'Afrique, et je vous remercie. Téléspectateur en chérubin Okindé, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, et qui a pris la parole pour montrer l'importance. Le protocole invite Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à bien vouloir procéder tour à tour à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de la modernisation de l'aérogare de l'aéroport de Ndolo, puis à la coupure du ruban symbolique pour l'exploitation des chaussées réhabilitées et pour enfin assister à l'atterrissage d'un aéronef du vol inaugural. Ainsi prendra fin la cérémonie de ce jour. Voilà, mes chers téléspectateurs, dans cet exercice, de la République, le chef de l'État sera accompagné du président du Sénat, du Premier ministre et des autorités de la RVA ainsi que le ministre du Transport. Les autres garderont leur place. Qui constitue une illustration parce qu'il est ici question de moderniser au moins 15 aéroports dans un premier temps, 15 aéroports disséminés à travers le territoire national. Le président de la République qui va prendre quoi? La première, cette pierre, qui va la poser avec... il va poser la première pierre comme il l'a fait il y a quelques mois à Mwanda, à Banana, pardon, avec la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde. Il le fait aujourd'hui. Voilà, il demande, il va le faire. Ça vaut la peine parce que cette cérémonie sera immortalisée. Il y a des chasseurs d'images, il y a des photographes, il y a des caméramens. Il faut que le président lui-même procède à la pose, la première pierre pour la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires en République. On commence par l'aéroport national d'Ndolo, sous ses applaudissements de l'assistance. Après cette cérémonie, les protocoles l'avaient annoncé. Il va faire quoi? Il va inaugurer la piste de l'aéroport d'Ndolo, nous l'avions dit, c'est une double cérémonie. Et pour la gouverne des uns et des autres, peut-être que vous n'étiez pas là quand nous avions parlé de ça. Ndolo a été construit, l'aéroport d'Ndolo a été construit en 1924, c'était encore à l'époque en terre battue. Et puis après, le premier la première couche d'asphaltage a eu lieu en 1942. Et dès lors, cet aéroport est resté intact, elle était en état vétuste, les voyageurs se plaignaient, les compagnies aériennes se plaignaient également. Et aujourd'hui, le président de la République concrétise l'une de ses promesses de la campagne électorale pour justement moderniser les infrastructures aéroportuaires en commençant par Ndolo. Il y a 15 aéroports au total et procéder à l'inauguration
de cette piste d'Indolo, revue et corrigée totalement. Nadine Ndolo, Nadine Ndoto, allais-je dire. Bientôt, il y aura un avion qui va atterrir. Ça sera le premier aéronef à atterrir après la pose de cette couche enrobée sur la piste de cet aéroport. Tout honneur mérité revient au garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Echeleka mpangi bless boko kyange mekatuka kutuba yawu betokele kwaku na nganda ya ndeke ya ndolo ntama mingi vime melenda bifikula ya betofuma isi katuka katula ditadi kisika mingi penza bake banda kisalu ya kutunga banganda avion 15 na RDC ya mvimba kasi 15 ya mesalama awa ya ndike na zenga lele samu na kupesa nzila samuti ba avion ya banda kukita awa na manima ya kubongisa mingi penza piste ya ndolo ya itama mingi ve betuke muna na bifikula avyo ya ntete ke kita kwaku awa samu na kupesa mingi penza mabanza ya mbote na mambo kena luta awa mfumwa insi mepesa mezenga lele endi mepesa ya una mosi ya bisadi nandi ya kile diambu kena pesa kiese na ntima pamba ve mfumwa insi kena lungisa siludu nandi endi pesa kankangu ya kubongisa mingi penza luzingu ya nkangu ya cheleka kubongisa banganda ya avion RDC ya kelepe na kati ya manaka to manaka ya development ya 45 territoire ya insi na beto ya kele mvutu mfumu wa insi kena pesa malembe malembe na tsatu ya nkangu ya cheleka ya kele kese mingi na kumona mutindu mshiribe okende ministre wa Transfecom kelepe nepene ya mfumu wa insi pento adisi ya RVA mbuta Alphonse Shungu bakele kuna samu na kupesa mfumu wa insi diaka maboko bitu ya muna diaka James sema lukonde kenge mfuma luyalu bula diaka modeste baati ndike le ntodisi ya senanta mamingi ve mantangu kena pustana malemale meta mamingi ve nganda yae mame katuka kuzibula yake yamba avyo ya ntete kena kuiza yake le mingi peze ya dizulu yake kita batangu kena kuiza ya cheleka na kubaka ndinga sheribe okende mfumu ya kele ntela mingi peze mambo wa transport na beto za bisakati funu ya kele babongisa banganda ya vyo yosu na RDC samuti ya pesa mingi penza ya sibula nzila samu na ntomosu na mungkita ya insi na beto pamba ve insi na beto kena ya mbabandeke mingi kasi beto ke kwendaka na ba insi ya nkaka vya kele ya fwa na mbote yosu ya salama na mutundu mosi ya mbote samuti mungkita ya insi na beto ya kwende na ntuala sheribe okende kena lomba mingi penza na mfumu wa insi ya tatamana kusadila bansiku ya bakaka samuti nganda banganda ya vyo ya insi na beto ya baka kizizi ya impa ntama mingi ve bantangu kena kuiza beto ke mona ndeke ke kita kwaku meme pesa ndinga mingi pesa na pangi na mono bless bokokia. Fini le suspense, fini les spéculations, fini les découragements, fini les tergiversations. Très chers téléspectateurs, désormais vous pouvez décoller et atterrir à partir de cette piste de l'aéroport national de Ndolo, un aéroport secondaire par rapport à l'aéroport international d'Ondjili. Mais quand on voit l'âge entre les deux aéroports, l'aéroport de Ndolo est plus âgé que l'aéroport d'Ondjili parce que Ndolo a été construit en 1924, tandis que Ndjili a été construit en 1958. Donc Ndolo est plus vieux que Ndjili et c'est aujourd'hui une fierté pour les Congolais d'atterrir et de décoller à partir de cette piste qui a été revue et corrigée et complètement comme vous le remarquez au travers de cette belle image, ce plan panoramique pris par les caméramens qui sont déployés ici, l'RTNC chaîne des grands événements, l'on ne cessera jamais à se le dire. Voilà, ça c'est l'aéroport de Ndolo du côté. Du côté de l'atterrissage, je crois, non, du côté, ça c'est vers l'aérodrome, l'avenue aérodrome, voilà. Quand on décolle, on commence par le marché Tipka et vous décollez vers l'avenue aérodrome pour traverser l'avenue poids lourd et déboucher sur le fleuve Congo, c'est ça. Tous les décollages se font de ce côté-là pour éviter cette catastrophe, mieux cet accident qui a eu lieu le 8 janvier 1996 avec un Antonov 32 qui avait raté son atterrissage, Antonov qui allait à Chikapa
dans la province du Kasaï occidental à l'époque, aujourd'hui province du Kasaï, et qui a fini sa course au marché Tipka et qui a causé mort d'hommes. On avait assisté à l'époque, je vois encore, nous sommes descendus sur le terrain pour faire le reportage, a assisté à une véritable boucherie humaine avec toutes les personnes tuées par cet accident d'avion. Et dès lors, tous les décollages, c'est à partir de Tipka vers le fleuve Congo. Et ça se passe comme ça. Et d'un moment à l'autre, nous allons assister, Rachel Keta, nous allons assister à l'arrivée de cet aéronef. Ça sera le premier atterrissage après la réhabilitation de cette piste. Et le chef de l'État, avec tous les officiels et qui ont fait le déplacement de l'aéroport de Ndolo, ils sont là, debout, attendre l'atterrissage, le premier du genre de cet aéronef. Voilà, il est là, Rachel Keta. Excusez, je vais vous donner la parole après. Regardez l'aéronef qui va atterrir pour la première fois sur cette piste revue et corrigée de l'aéroport national de Ndolo. L'aéronef a quitté l'aéroport d'Ondjili. C'est quelque chose de 5 minutes en vol d'oiseau, je crois. Et il amorce son atterrissage. Il vient bonnement, gentiment. Et il va descendre d'un moment à l'autre. Les trains d'atterrissage vont toucher pour la première fois cette piste après sa réhabilitation. Voilà, il atterrit. Il va retrouver si cet avion avait décollé avant les travaux, à l'époque où la piste était en état vétuste. Cet avion retrouve aujourd'hui une piste revue et corrigée. Et cet avion atterrit sous le regard satisfaisant du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'aéronef est là. C'est un aéronef de Kinavia. Kinavia qui a son siège ici, au niveau d'Ndolo. Et cet aéronef qui descend pour la première fois après la réhabilitation de cette piste d'atterrissage. Regardez le président qui applaudit, à l'instar du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, à l'instar du président du Sénat, Modeste Bahati. C'est le premier aéronef à atterrir après la réhabilitation de cet aéronef. C'est une fierté, nous l'avions dit, une fierté non seulement pour la population, une fierté non seulement pour le chef de l'État, pour le gouvernement, mais une fierté également pour la régie des voies aériennes qui a été critiquée pendant longtemps à cause de la vétusté de cette piste. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je crois qu'il y a un ouf de soulagement, Rachel Keta. Blaise Bokyokia, du centre du Tokoa, côté balai de bois, bah tu travailles au Congo, vraiment à la table, comment on a passé. Je dis bon, ça va pour pas là, Katia, bah toi j'ai mis du mou, il y a Jakaja, tu peux le chanter Katia Ndolo, Ndeka, Wakamulundo, Mula, Rukina, on coupe à la coiffe, moi tu travailles au Congo, vraiment à la table, Félix Antoine, est-ce que tu l'as beau, on coupe tes chiques mou, bon comment on a posé le nom, quoi où, tu tout le cas, Ndeka, mais tu peux le chanter Katia Ndolo, on coupe à la coiffe, mais la coiffe là, mais je peux pas l'envoyer, tu travailles au Congo, vraiment à la table, ni bande ni bande, tu chies la gane, tu dégages là-bas. Nous annonçons aux invités qu'il y a un cocktail. Moi, pas au Calandécan, bon, tout le kilam, on va le chandé Kachandili, tu vas le chandé Kachandolo, qui l'a élusé, qui moi, pas au Tibi, puis le Binéna, dit Kala, bien Zeka. Bah, vous êtes là pour le Tibi, pour le Tibi. Mais nous avons
Voilà le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, très chers téléspectateurs, qui échange avec quelques officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport de Ndolo, à l'instar du Premier ministre, à qui il donnait certainement quelques instructions, à l'instar également de celui qui est à ses côtés. On a du mal à les situer, à les décrire, parce qu'on le voit à partir de sa vue de dos, le président, comme vous constatez, à son expression faciale qui exprime la joie d'avoir procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de modernisation des 15 aéroports disséminés à travers le pays à partir de l'aéroport de Ndolo. Ah non, il cause avec Jésus Noël Chegué. Jésus Noël Chegué, j'ai dit Chegué, et qui est le responsable numéro 1, celui-là même qui procède à la construction de cette tribune où le pape va dire sa messe, le pape François, quand il sera à Kinshasa, parce que son voyage n'était qu'un report. Le voyage est bien maintenu, le pape François va venir à Kinshasa pour réconcilier le peuple congolais avec Dieu. Jésus Noël Chegué qui échange avec le président de la République. C'est aussi une fierté pour ce jeune, et nous sommes en droit de dire aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, à l'instar de Chegué, Jésus Noël, qui venait d'échanger longuement avec le président de la République, qui prend part à bord de sa Jeep. Il va quitter l'aéroport de Ndolo. Il y a encore une autre cérémonie qui est prévue à Kibomango, où il va procéder à la pose de la première pierre pour la construction des habitations destinées aux officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il est question pour le commandant suprême des forces armées de délocaliser les responsables de l'armée, n'est pas resté en plein centre-ville. Il faut aller peut-être dans la banlieue pour être concentré avec tout ce qui se passe au niveau de notre pays, cette situation sécuritaire qui est toujours préoccupante. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles qui nous viennent du côté de l'est du pays, même si l'armée est appelé au silence, mais des bonnes nruvelles. Au niveau du territoire de Rutshuru, nos forces armées se comportent très bien et nous espérons que dans les jours à venir,
terroristes du M23 avec leur mentor, le Rwanda, avec son mentor, leur mentor, oui, avec leur mentor, le Rwanda, va quitter le territoire national et libérer Bunagana, et qui fait partie de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Des bonnes nouvelles certainement, et dans les jours à venir, il y a de quoi espérer. D'un moment à l'autre, on va peut-être prendre la réaction à chaud du directeur général de la régie des voies aériennes. Monsieur, il s'appelle Chungu, Alphonse Chungu Maumba, qui est directeur général de l'RVA. Il va réagir à chaud sur la cérémonie de tout à l'heure. Mais en attendant, Agnès Safi, vous avez quelque chose à dire? Iyo masoma kokisami ya bolubiete ku munene wa ekolo tata mokonzi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ati libanda ya libanga ya bobandi mosala ya botongi pe ya bofungoli piste ebongisami pe bobandi misala na lolenge ya sika osimbate ku munene ya Zaki Longo na ministre mokonzi mokambi ya Sena pe bayimbula matari bongo tokundelela bino mingi penza mbela ya bofungoli libanda ya pepo pe ya bomani mosala ya mbongwana na lolenge ya sika to modernisation epesani bayimbula matari obokambi ba ministre mokonzi bataxaki elongo bokutani boye bongo ministre ata akamambi ya transport Sheribert Okende azwaki maloba oboso bwaku monene wa ekolo pe bato bayike baye bataseki elongi omolulu moye mpona kolimbola misala miye basali pe lisusu bosenga bwa bango bisusu pe atondoki ku monene wa ekolo mpona masome masalemi mpona libanda lya mpepo ya ndolo pe mambi matali transport esengeli bongo kobongisa uto ekelama ntango ya banoko esukisami ku monene ati libanga ya bobandi musala asombisi mpe na bato baye basalaki misala oyo mambi mayike mwana mboka Blaise Bokokia malobo mboka ye. Agnès Safi, merci. L'aéronef, hein, le plus heureux, c'est cet avion de Kin Avia qui atterrit pour la première fois sur cette piste rénovée de l'aéroport national d'Indolo. Une piste revue et corrigée avec toutes les normes requises pour répondre aux standards internationaux. Merci à la société qui a réhabilité cette piste de l'aéronef de Ndolo Malta Forest. Nous avions promis que le DG va venir nous donner quelques explications sur l'importance de cet aéroport de Ndolo. C'est l'aéroport secondaire de la ville de Kinshasa, après pour essayer un peu de désengorger l'aéroport international de Ndjili, même si en âge, Ndolo est plus âgé que Ndjili, mais sur le plan l'importance, qu'est-ce que Ndolo représente aujourd'hui, pendant que Ndjili est là, nous allons poser toutes ces questions à ce monsieur qui doit être le plus heureux, le directeur général de la régie des voies aériennes et qui a accompagné certainement le ministre des Transports et Voies de Communication et le PCA de la RVA. Bienvenue Lyota qui lui aussi a fait partie de cette cérémonie. Il a fait partie de cette cérémonie. Bienvenue Lyota, le PCA de la RVA. Il échange justement avec quelques-uns. Le DG qui s'approche, il va venir d'un moment à l'autre. Nous allons rendre l'antenne, pas maintenant, suivons quand même la réaction à chaud de ce patron de la régie des voies aériennes. Il s'appelle Chungu Maumba, c'est son nom. Maungu Alphonse, c'est le directeur général de la régie des voies aériennes. Je disais tout à l'heure qu'il doit être l'homme le plus heureux. Et parce qu'il voit l'un de ses secteurs au niveau des aéroports qu'il dirige en République démocratique du Congo être entièrement réhabilité
Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Vous devez être l'homme le plus heureux. Hein? Bien sûr. Le président de la République se déplace personnellement pour procéder à cette double cérémonie. La première, la pose de la première pierre pour la modernisation de l'aérogare d'Indolo. Un cas ici, mais ça va, la cérémonie, le vaste programme s'étend sur au moins 15 aéroports et aussi l'inauguration de la piste. Votre sentiment? Je suis l'homme le plus heureux quand on fait déplacer le premier citoyen donc de la République, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a fait l'honneur de venir voir ce qu'on a fait en peu de temps. Les travaux que vous voyez ici, donc la chaussée, des chaussées, d'une chaussée aéroportuaire, ça devrait être fait en 8 mois. On a battu le record. On l'a fait en 6 mois et 10 jours. C'est vraiment un exploit. On ne vous a rien dit. Vous voyez en face de nous, il y a la tour de contrôle. Cette tour de contrôle, il y avait donc des équipements. Quand j'ai visité ça, juste après donc ma nomination, les équipements qui étaient là, ça datait donc de 1970. Donc, vous voyez, 52 ans après, on a fait remplacer donc les équipements par des équipements pimpants neufs, ultra modernes. Donc, le problème donc de sécurité sur cette piste est résolu. Mais le balisage? Oui, ça aussi, on y a pensé. Il y a son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, même aussi donc le chef du gouvernement. Donc tous les deux souhaitent qu'on ait donc un balisage ici. Ça nous permettra de faire fonctionner cet aéroport en H24. Donc on va se mettre, avec l'accompagnement du gouvernement, avec un peu d'argent, on va l'installer. Il restera tout simplement un problème avec la SNEL. Si la SNEL nous met en fait un bon courant, le problème sera... On peut atterrir même la nuit. On peut atterrir, c'est H24, donc ça sera ouvert 24 heures. Aujourd'hui, c'est Ndolo, oui. L'autre aéroport. Il y a des projets, je vous annonce déjà, pour Kolwezi. Je descends donc la semaine prochaine. Là, on va faire, il y a donc une très 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 belle aérogare. Je l'ai visité. Ah, ok. Grâce à... Nous profitons de l'occasion pour saluer Madame Fifi Masuka, gouverneur de la province de Lualaba. Ok, donc on va inaugurer, on travaille en fait sur cette aérogare. Une aérogare moderne. Oui. Aérogare moderne avec donc des bras, peut-être on aura 2 bras télescopiques. On va rallonger en fait donc la piste de Kolwezi, qui fait 2500 mètres. On doit passer donc de 2500 à 3000 mètres. Et qui peut, cette piste peut recevoir n'importe quel type d'aéronef. En tout cas, l'avion, comment on appelle ça, l'avion critique, oui. Ça sera donc des Airbus. Okay. Donc on travaille là-dessus. Okay. Il y a de l'activité économique, puisqu'il y a toujours en fait une corrélation entre le fait de disposer d'un aéroport et puis l'activité économique. Okay. Okay? Il y a de l'activité économique. Vous verrez ce qu'on va faire là-bas. On a prévu même de faire une aéroville, en tout cas à Kolwezi. C'est des modèles que moi j'ai visités en fait en Afrique du Sud. N'oubliez pas, on est aussi donc dans le projet en Mbujimayi, financé donc par la Banque africaine de développement. Là, il y a donc le premier lot qui concerne en fait tout ce qui est chaussée aéronautique.